Par les œufs d'or d'Adanos, vous ne venez tout de même pas de traverser la jungle ? Si, rien de bien compliqué. Qu'est-ce que vous faites ici ? Le roi Etorn VI nous a chassés de la cité. Les ordures de la tour, là-bas, ont bloqué la porte. Et pourquoi ? Le roi ne veut pas nourrir de bouches inutiles. Nous devions trouver refuge dans le monastère, mais la jungle est infestée de créatures sauvages. Un troll est même entré dans le campement une fois. Heureusement, il est reparti quand la lueur est apparue à l'ouest. Je crois qu'il rôde de ce côté désormais. Quelle est cette lueur à l'ouest ? Je n'en ai pas la moindre idée, mais je doute que ce soit un bon présage. Un type complètement dément est passé ici, il y a quelque temps. Il voulait voir le campement. Je suis prêt à parier qu'à l'heure qu'il est, le troll l'aura tué. Ou pire. Ce fou, est-ce qu'il portait un bandeau à l'œil ? En effet, étranger. Qu'est-ce qu'il y a ? Il vous doit de l'or ? Non, beaucoup plus que de l'or. Vous êtes un marchand ? Eh bien, j'ai bien une ou deux choses que je pourrais vous vendre. La cité là-bas, c'est bien ses tarifs ? Ses tarifs ? La perle d'Argan. Enfin, du moins, elle l'était. Maintenant, Lee et ses paladins l'ont réduite en un champ de décombres fumants. Au moins, on aura de beaux légumes. Qu'est-ce que tu veux ? Et c'est de pire en pire. Ma lessive !
Pouvez-vous me laisser passer? Je dois me rendre à ces tarifs. Je hais les paladins. Et je sais me battre. L'accès est interdit aux voyageurs à pied, messire. Je suis navré, mais c'est la règle. Vous ne comprenez pas? Je veux vous aider. Laissez-moi passer. Impossible. L'accès est interdit. Allez vous faire voir chez les Myrtagnans. Il m'est formellement interdit de quitter mon poste, monsieur. Enfin! Je commençais à croire que les bêtes d'ombre t'avaient dévoré. De quoi est-ce que tu parles? Est-ce que je te connais? Non, tu ne me connais pas. Mais je sais que tu es un ami de Diego. Et moi, je sais exactement qui est ton maître. Oui, ça, je sais que tu le sais. Écoute, on pourrait jouer à ce petit jeu toute la journée, mais ça ne changerait rien. Tu ne peux pas entrer dans le temple sans moi. Pourquoi croirais-je un espion de Hagen? Parce que je ne t'ai pas déjà planté un couteau dans le dos. Ah oui, et pourquoi est-ce que je ne te débiterais pas en petits morceaux sanglants maintenant? Tu vois ce bloc de pierre avec des chaînes? C'est le pont qui mène au temple. Ces deux mécanismes doivent être déclenchés simultanément, tu vois? Un chemin mène à chaque levier. L'un est rempli de pièges, l'autre est rempli d'acide. D'accord, d'accord. C'est bon. Quel chemin veux-tu prendre? À toi de voir. Les deux me conviennent. Je vais m'occuper des boules de feu. Un type à moitié aveugle comme toi ne parvient à ses fins que par pur hasard. Je suis peut-être à moitié aveugle, mais j'ai déjà trouvé la clé et j'ai repéré les chemins. Compris? Tiens, essaie de ne pas mourir trop vite. Promis. Mais après? Navré, mais je dois te tuer. Je ne te laisserai pas souiller la forge du roi. La forge du roi? Tu ne seras que le premier. Pour Ivy, pour Alma, pour Féchir!
T'es prêt ? Je suis déçu. Même pas de couteau entre mes omoplates ? Navré, mais j'ai l'impression que les couteaux sont sans effet sur toi. Mais ne t'inquiète pas, je t'ai préparé une petite surprise. Elle devrait se déclencher à n'importe quel instant. Quoi ? Maintenant.
Le jour de notre décision est venu.
Méfie-toi des gardiens.